Salut à tous. Donc on se retrouve pour la 7e vidéo de Batman Arkham Asylum. Et donc ça commence pas comme d'habitude parce que j'ai eu un bug à l'enregistrement en fait. En fait je vous mets une petite image et on va commencer direct un peu plus loin dans le jeu. Donc vous avez même pas perdu 30 secondes. Donc vous inquiétez pas. En tout cas merci de pas m'en vouloir. Allez, c'est parti, on commence. Ok, donc là, il va falloir s'attacher ici. C'est pas super bien fait. Ces phases, franchement, c'est vraiment la galère. On va y aller vraiment petit à petit. Ce que tu vois est sous mon contrôle. Putain, j'arrive pas à lâcher. Voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qui passe par là? Oui. Putain, pourquoi j'ai pas pu passer? Ton esprit va se fracasser comme tu fais. Ah. Enfin. Je sais pas à quel moment il vaut mieux passer. Je pense que c'est quand il est de notre côté. Parce que là, ça va assez vite. C'était chaud. Et donc là, on va attendre qu'il refasse un aller et après on va courir jusqu'à la petite lupiote hein, qu'on va lui foutre dans la gueule. À ce con. Voilà. Donc je déteste vraiment ces phases.
Ok. Donc, on va faire notre petite fiotte. On va augmenter l'armure. Zaz a enfermé le docteur Jung dans le bureau du directeur. Je dois sortir d'ici. C'est fermé. Je dois descendre autrement. Et oui, parce que nous on ne descend pas de manière normale. Attention, c'est pas n'importe qui Batman, hein. Donc, ce petit trophée qu'on ne pouvait pas atteindre. Je sais même pas s'il y avait un trophée en fait. Non, je pense pas. Il n'y avait rien ici. Moi, c'était juste pour ouvrir ça. Donc, il y a deux ennemis ici. Voilà, ça c'est fait. Je t'attendais en écoutant Zaz faire hurler le gentil médecin pendant que tu batifolais dans l'univers de l'épouvantail. C'était comment? Tu as appris des choses sur toi? Oh, raconte, prends un siège, parle-moi, je t'écoute. Ok. En fait, ça vient de me revenir. J'avais cru entendre Zaz lui couper les oreilles. Ça en avait tout l'air. Et c'est très bien. Donc, voyez, il y a une petite référence à Catwoman ici, donc avec ses lunettes et ses petites griffes. Donc de toute façon, c'est marqué en dessous Catwoman, hein. Donc, malheureusement, je vois pas comment on peut exploser ce mur pour l'instant. On va continuer. Reste où tu es, Batman. Et écoute-moi bien. Tu approches, je repeins la pièce en rouge avec son Ok. sang. Donc vous voyez, il a pris en otage. Je sais que tu es là. Tu entendras bientôt ton chant. Zaz, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as, moi! Elle ne sert plus à rien! Mais si je la tue, Batman me tuera! Tu n'as quand même pas d'une petite chauve-souris! Recule, Batman! Je blague pas! Oui! Recule, Batman! Tu as assez de sang sur les mains! Bon bah il suffisait de faire ça, hein. Espèce de monstre! Espèce de saleté de monstre! Il n'ira nulle part. Vous pouvez vous arrêter. Pardon. Je suis désolée. J'ai vu Bane. Je sais. Le Joker m'a menacé. J'ai voulu mettre fin à l'expérience. J'ai voulu lui rendre tout son argent. Le Joker ne comprend pas qu'on lui dise non. Il veut une armée. Une force terrible pour annihiler Gotham, mais c'est impossible sans la formule. Je l'ai cachée, mais... Donc maintenant, il a le venin et votre formule. Mon Dieu, il en a des litres et des litres. Il y a un labo caché dans les jardins. C'est fermé à clé, mais les codes de sécurité de toute l'île sont dans le coffre du directeur. Le Joker prévoit autre chose? J'en sais rien du tout. Vous pensez que tout ce qu'il dit a un sens? Moi, je crois plutôt qu'il est fou. Oh mon Dieu! Éloignez-vous! Eh oui, le Joker a tout prévu, hein. Pauvre docteur Jung, mais tu sais bien que Monsieur J déteste les balances. Tiens,
En parlant de balance. Et ouais, ce vieux taré croit dur comme fer qu'il dirige cet endroit. C'est démentiel. Bon, j'ai plein de choses à faire. Les gars, s'il se relève, assommez-le, mais pas trop fort. Monsieur J a besoin de lui à la soirée. Allez, un petit peu de combat. Et voilà. Donc pour désarmer l'autre, on est obligé de lui soit lui envoyer un batarang dans le bras, soit de lui prendre avec le grappin. Vous savez contourner ces portes de sécurité? Avant qu'elle meure, elle m'a dit qu'il y avait un laboratoire caché dans les jardins. Les protocoles de sécurité Wentech résistent au piratage. Lucius a bien bossé. C'est une séquence biométrique en deux parties générée par le directeur à l'aide d'un séquenceur. Et détruite par le Joker dans l'explosion du coffre. Harley Quinn a le directeur. Il est notre seule chance de passer les portes. Ok, bonne chance. Donc, je vais vous montrer quelques trucs. Bon, déjà, on va récupérer ça. Alors, tu as abandonné et pris ma carte. J'espère que ça se révélera utile. Donc, vous voyez, ici déjà, on a Scarface. Donc, déjà on va récupérer le sceptre parce qu'on sait que c'est ça. Hop. Ok. Donc, vous voyez, le docteur Young a pris cher. Bon, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est regarder notre ami Batman. Au début du jeu, son armure est toute neuve, et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, vous voyez, il commence à avoir des coupures un peu partout. Il en a une sur le torse, une sur le visage, une sur le genou, là, enfin sur la cuisse, et sa cape est toute coupée. Donc, vous voyez. Donc oui, au fur et à mesure, on voit que le skin change, quoi. Bon allez, c'est parti, on va suivre la piste du directeur. Donc, un petit trophée au passage. Y aurait-il un enregistrement par là? Je pense pas. Ok, donc c'est parti. Donc, je vois pas par où il aurait pu être sinon par là. Ferme-la, tu vas tout faire planter. On se calme. Dis-lui de la boucler, allez. Bon, t'as compris? Ouais, ça va me trouver, à plus. Crétin. On se calme. Dis-lui de la boucler, allez. Bon, t'as compris?
Ok, donc on va devoir aller au jardin botanique, et donc je suppose que vous savez quel ennemi va nous attendre là-bas. Donc c'est juste en face. Donc aucun garde. Ah. Donc, si je me rappelle bien, voilà, c'est ici. Hop là. Un esprit d'Arkham. Je repris le travail, mais ne parvins pas à chasser ces images. J'aurais dû être écœuré, mais je brûlais surtout de trouver une explication à ces actes horribles. Ok, donc là on a fait le tour, donc c'est pas bon. On a zappé un truc. On ne peut pas passer par là. Alors il y a un autre chemin, mais où? Je pensais pourtant vraiment que j'étais au bon endroit. J'ai peut-être oublié le principal. Hein. Peut-être oublié de suivre la piste du directeur. Là, je fais vraiment n'importe quoi. Voilà, donc c'est par là. Ce n'est pas encore l'heure d'aller au jardin botanique, visiblement. Ah,
commencerai par ouvrir l'accès à ce tunnel. Tu remets encore le patron en cause. T'affectes te plaindre depuis qu'on s'est cassé. Ouais, le Joker fait descendre sa petite amie et nous dit de garder le tunnel. On garde le tunnel. Le Joker nous dit de tuer la chauve-souris. On la tue. Le Joker m'a dit de tuer ma sœur un jour. Tu l'as fait ? Pourtant, ouais. Je l'ai jamais aimé de toute façon. T'es vraiment sans cœur. C'est marrant, il m'a dit la même chose. Je lui ai dit que j'avais pas de sœur. Il m'a répété de le faire. Alors, j'ai pris la voiture et écrasé la première garce que j'ai vue. Le Joker a eu l'air content. On se marre bien avec lui. C'est un mystère, vous savez. Je veux dire, vous ne m'étonnez pas, mais il agit de manière folle à un moment, puis il tire des plans sur la... Je vais te trouer les pieds que tu vas te vider. Je vais réduire tes os en poussière. Bravo. Tu penses éviter les balles? Je vais te réduire en purée. Je vais te pulvériser. Aïe. On aurait dû commencer direct comme ça, hein. Voilà, on aurait dû faire ça direct aussi. Supposé que je le sois. La routine.
foutre le bordel chez les aides-soignants est plus amusant. Il est là! Tu veux le coup? Il faut que tu frappes plus fort que ça! Ok. Donc on a retrouvé un doc. Ok, donc ils sont ici. Avant ça, on va voir ce qu'il y a là. Hop. Tu es mort? Je crois. Hein, depuis quand? Depuis que tu lui as tiré dessus. Ça ira. T'as faim? Carrément. On va arrêter d'essayer de passer en finesse, hein, puisque ça marche pas. Dieu merci! Je pensais que tu aurais trouvé celui-là bien plus vite. Ok, donc on a droit à une autre amélioration. On va pas se priver pour prendre la dernière armure. Donc je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais ça annonce rien de bon. Ok, donc il faut aller. Je
Ah. Donc ici, on ne peut pas aller pour l'instant. Je crois qu'on ressort là, c'est pas bon. C'est pas par là. Donc vous voyez qui je vois. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et donc je vous dis à la prochaine. Salut.